petite sauvegarde rapide et on va viser. Oula, j'ai eu une caméra qui est un peu fait n'importe quoi. Ah, c'est quoi ici? Ruine de la route. Ruine de la route, ok. Super. Quel nom magnifique. Ruine du boulevard. Allez, même s'il y a des ennemis, on s'en fout. On s'en fout. Allez. Le côté alourdissement des poids de la vidéo, c'est parti. Encore ça va, comme il fait pas jour, les couleurs sont un peu les mêmes, donc ça devrait pas trop prendre finalement. Mais c'est vrai que quand de plein jour Skyrim ça bouffe au niveau du poids des vidéos, c'est abusé quoi. Siri. C'est à la Siri. Ah carrément, c'est dans une Siri. Bon. Excusez-moi, il faudrait que je change de mode, enfin que j'améliore le mode de d'inventaire parce qu'il y en a un qui est mieux encore. Allez, on va tenter de rentrer ici. Ok, c'était de ce côté. Alors, est-ce que je vais me retrouver une année avec un des personnages ou pas? Ils m'ont pas vu. Et quelle heure? Je sors, quelle heure il est? Il est là. 2h50 du matin, bien sûr, ils sont toujours là. Ah, un truc. Je fais une sauvegarde avant, de toute façon. Si je fais. Bon, bah, elle a pas vu que son collègue était mort, enfin, son mec était mort à côté. Je suis d'accord. Y a pas de soucis. Mais j'ai envie de recommencer. Allez, on refait. Voilà, cette fois c'est du tout droit. Alors, il faut savoir que quand on recharge la partie, les serrures changent de truc. Oh merde. Pourquoi ils ont pas la même tête? Pourquoi ils sont pas au même endroit? Ah non, je suis dégoûté, j'aurais dû garder l'autre truc. Alors là, ils sont comment? Vous n'avez rien à faire ici. En fait, il m'a pas vu. Il dit ça, mais il m'a pas vu. Ah, oh, je suis dégoûté. Pourquoi? Pourquoi? Garde, un intrus. Oh, mais tu m'attaques pas? Je vous préviens. Ah. D'accord, si. Alors, là, je comprends pas. Je trouve pas dans le même sens. Allez, on regarde. Je suis dégoûté. C'était bien. Pourquoi j'ai fait ça? Ah. Alors, sauvegarde. Petite vérification, si je la tue elle d'abord. Oui, oui, ça y est, je l'ai eu. Ben voilà, c'était difficile de faire ça depuis le début. Je m'en fous de la clé, moi je préfère. Excusez-moi, je préfère largement le faire à la main. Alors. Bon, hein, que ça me suffira. Bon, bah, ce fut pas très difficile, en fait, du tout. À part si je vais me taper quelqu'un qui va me tuer, non bon, donc, voilà, tuer leur brique, tac, les deux. Allez, on va faire un petit tour. Un, ici, voilà. Donc, ça va, ce fut pas compliqué du tout, en fait. C'est vrai que la première fois était la bonne, mais là, j'ai fini par un kill move. Là, je suis content. J'en ai pas eu depuis le début en étant assassin, c'est un truc de malade quand même. Même au niveau des flèches, mais savez quoi, je vais le mettre à 100%. Je suppose que ça veut dire, pas forcément que je vais le faire à chaque fois, mais quand il en restera plus qu'un, ce sera sûr. J'imagine que ça doit être ça, on va faire ça. Il y a juste, donc, move control setting. J'ai nab 100%, j'ai nab, mais je le mets à 70%. Voilà. Et petit dernier truc, je suis désolé, hein, je sais pas trop comment faire, mais... Last Enemy. Ah voilà. Est-ce que on peut mettre les plusieurs kill moves quand il y a les multiples ennemis présents? Ben oui. Bon bah c'est pas grave, on verra bien de toute façon. On va parler.
Nous devons parler. Ah, mais laisse-moi! Gardez le silence. Écoutez, quelque chose s'est produit ici. Oula, ça a l'air bizarre quand même. J'ignore de quoi il s'agit exactement, mais nous devons le découvrir. Si la mère de la nuit vous a réellement donné l'ordre de parler à un contact, nous serions fous de l'ignorer. Folle pour toi. Cicéron a apporté suffisamment de folie dans ce sens. Oui, ben voilà. Rendez-vous à vos Une crypte. C'est une crypte assez loin au nord-est. Parlez à cette okay. Monde motière. On verra bien. Voyons où cette piste nous mènera, d'accord ? Me dépêcher d'aller parler à l'autre. Donc commencer révélation. Oh là là, ça. Ouh, ça donne envie tout ça. Ah là, on va faire le mec relou, l'orque relou. Attention. Bouh. Dites-moi. Voilà, que relou. Vous avez c'est toujours la même blague. Bodybard. Ouh là, ça y est, il commence à bugger là. De sa peau. Pensez-vous que les gens de bord de ciel pourront. Alors, le bruit est mort. Fantastique. Un bon barde est un barde mort, à mon humble avis. Connard, quand même. Lui. Votre paiement, comme d'habitude. Voilà, et Ern est mort. Pas de plaisanterie cette fois. Vous avez affronté un vampire, et si vous contractez le sanguinaré vampiris, trouvez-vous. Bon, il n'a pas eu le temps de m'attaquer, hein, vous inquiétez pas. Sauf, bien sûr, si telle est votre intention. Est-ce qu'il y a des contrats disponibles? Quel enthousiasme, dites-moi. Non. Ok, on va pouvoir faire la prochaine quête, c'est-à-dire révélation. Je vais la faire et après j'arrêterai. Je pense que faire comme ça parce que moi j'ai besoin de manger quand même. Molière. Donc on va parler à Molière. Dommage. Alors. Yopé, Dalo, j'avais froid. Bon, j'avais froid, c'est n'importe quoi. J'avais envie de me baigner. Ça marche mieux comme ça. Bizarre, c'est que par défaut, je viens d'y penser, il y avait le tuer les gens quand il y a des multiples ennemis, mais pourtant c'était jamais le cas moi dans ma partie. Toujours le dernier ennemi qui se prenait un truc dans la gueule. Enfin bon, j'espère que les deux modes se font pas trop. J'imagine qu'en fait ils changent la même ligne de code quoi. Je pense pas que ça pose problème, mais au cas où j'espère que les deux modes ensemble ça fait quand même un minimum beau ménage quoi. Parce que sinon je me sentirais un peu bête. Alors, ma destination se trouve ici. Je peux partir donc de Blancherive des Écuries ou de Mortal, mais je vais partir de Écuries de Blancherive. Voilà. Et là, il va y avoir du voyage, de la vidéo à uploader, la grosse vidéo à uploader. Mais... Ah, il est là. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mon chevaux n'est pas là. Allez. Ah, il y a une autre chose. Si je fais ça, c'est encore pire. Si j'éloigne la caméra. Le mieux, c'est d'avoir une caméra très proche pour avoir moins de choses à afficher. Mais sinon je pourrais faire un FOV de 10 par exemple, comme j'avais montré une fois, ça me mettrait un truc tout fin, tout petit, tout zoomé. Là à la limite c'est sûr que j'ai pas de problème de vidéo après hein. Bon bref, je vais arrêter de parler de ça. C'est mon boulot c'est d'uploader des vidéos, donc quel que soit le poids de la vidéo au final. Ils sont moches ces crabes. Allez. Oula, y a du clipping, hein. C'est pas mal comme clipping. Bon, le mammouth, tu m'aides? Ouais, bon, en fait, ils me poursuivent pas tant que ça. Bon, c'est pas grave, c'est tant mieux même, j'ai pas envie de me battre contre eux. Ok, on y arrive déjà, bon ça va, c'était pas trop long. J'espère que la quête est intéressante et pas super longue non plus. Volrund. Ok. Coffre. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Des potions. Je prends tout. Et urne. Alors là, il y a toujours des anneaux et des potions aussi. Enfin toujours. Souvent. Et donc là, on arrive à Volrund. Volrund. Alors, comment ça va-t-il se passer? Il y a une quête que j'aimerais bien faire, c'est la quête où il y a une personne qui est bourrée. Enfin, où on nous bourre et on se retrouve comme Very Bad Trip à plus savoir où on est, parce qu'il y a un objet qui peut être pas mal dans les combats qui sont un peu compliqués, mais bon. La loi du silence, ok, il y a encore deux choses. Et des armes cérémonielles, d'accord. Oh, mais j'ai déjà fait ça dans ma partie. Alors au début j'étais sceptique, mais maintenant c'est évident, les vieux hymnes disent vrai. Le relief n'était pas loin de l'entrée comme il disait, maintenant je sais qu'il cache l'entrée de la tombe de Knepfenel. Les deux clés doivent être cachées à proximité
Réplique. Il y a un problème de page, j'ai l'impression. Les armes préférées signaler au combat. Ok. On va le prendre. Ok, en fait, on a deux quêtes à faire en même temps. Donc, je ne sais pas si ce que je dois chercher est loin. Il y en a un juste à gauche là. On va essayer. Hop. On va essayer. Alors là, pour la discrétion, on va essayer de s'améliorer en archerie quand il faut, quand c'est des squelettes. Parce qu'ils sont. Comme ils ont très peu de défense. En fait, il y en a un à gauche et un à droite en fait de trucs. Ok. Bah, c'est pas très très loin. Alors, vu que j'ai la perque de voleur, je n'ai pas à craindre les pièges. Parce que normalement, je ne les active pas en marchant dessus. Eh ben, dis donc, lui, il a morphé. Ah, c'est lui? D'accord. Je vais faire une sauvegarde et je vais avancer. Ah c'est lui, ouais, ok d'accord, mais du premier coup j'ai pas fait gaffe, c'est ça. Vraiment là, cet horrible sacrement noir, ça a marché. Vous avez entrouvert la porte qui mène sur les thèmes, petit bonhomme. Oh, ah c'est bien ça, c'est classe. Mais je suis bien content que vous soyez là. Vous avez entrouvert la porte. Non, ça fait un peu Batman ce que je viens de faire. Votre temps est aussi précieux que le mien. J'ai un contrat à vous proposer. Plusieurs en fait. C'est probablement le contrat le plus important que vous... Poursuivez. Comme je vous l'ai dit, je veux que vous tuiez plusieurs personnes. Les cibles et les méthodes seront tout aussi variées. D'accord. Je suis sûr, mais sachez que ces méthodes sont un moyen pour parvenir à nos fins. La raison pour laquelle je m'abaisse à parler à un coupe-jarret dans les entrailles de cette horrible crypte... Commandé national de l'Empereur. Carrément. Les dirigeants vont et viennent, les marchands restent. Vous voulez qu'on tue l'Empereur de Tamriel? Exact. Ce que je demande n'est pas une mince affaire, bien sûr. Mais oh, attendez. Si ça, c'est la quête principale de la confrérie noire, c'est un truc de malade. Si c'est vraiment le cas, c'est un truc de malade. Pour en arriver là, toute cette organisation. Mais je me laisse emporter. Axus, les objets. Alors, qu'est-ce que c'est? Anus, les objets. Bon. On va faire la quête qu'il y a ici, hein. Lettre cachée dans mon tiers. Ok. L'amulette a énormément de valeur. Vous pouvez vous en servir pour couvrir toutes vos dépenses. Ok. En fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez besoin d'autre chose. Nous vous demanderons une importante compensation avec vous de quoi la payer. Quand l'empereur Titus Médée II sera mort, il paraît que la confrérie noire est sur le déclin. Si vous acceptez, si vous tuez l'empereur... Ok. Vous avez confiance en votre serviteur. Ce n'est pas un simple serviteur. Il faisait déjà partie de la maison. Pourquoi faire assassiner? L'empereur Pelagius VII a été assassiné au temple de l'élu à la cité impériale. C'est pas Pelagius VII, pas celui d'Oblivion? Disons que son meurtre était nécessaire. Donc il y aurait un rapport vraiment entre Skyrim. Enfin bref, il me dit quelque chose son nom. C'est peut-être celui d'Oblivion. Souhaite un changement similaire à l'heure actuelle. J'ai réalisé le sacrement noir. Ce n'est plus le cas. Va te faire foutre. Ok. Remettre ces objets. Et lui, ils sont vœux de servir à moi. Alors, masse de verre. Bon, quand même un peu lourd. Hein. Ça se vend peut-être, mais. Ne l'oubliez jamais. Alors, voyons voir l'objet qu'il nous a donné, qui est une. Hop là, ornée. 1000. Ah oui. Bon. Alors, heureusement, on va le vendre. On va le vendre 200. Donc, c'est pas intéressant en fait. Elle fait rien du tout. Elle fait rien du tout. Et donc, j'ai donc. Je sais même plus où c'est. Note dédique sur Vodorun, c'est ça? Non, ça c'est celui que je viens de récupérer. Oh, je me souviens plus, c'est quoi qui nous a... Ah oui, lettre cachée, elle est là, vous. Comme je l'ai déjà noté à votre subordonné, je souhaite s'engager votre organisation pour une mission diplomatique. Vous devez assister au mariage qui aura lieu au temple des divins de solitude. La mariée doit recevoir un cadeau qu'elle n'aimera jamais, qui sera le sujet de conversation de toute solitude dans le chef lui-même devant un baril. Un cadeau qu'elle n'oubliera jamais, qui sera le sujet de conversation de tous ceux qui... Un certain officier militaire de haut rang basé en bord de ciel serait responsable de la sécurité du chef si ce dernier décidait de programmer une visite. Quand il aura confiance de la dite visite, il entamera toute la position de sécurité nécessaire. Vous devez découvrir les plans de cet officier et rencontrer ses hommes afin d'assurer la sécurité nécessaire pour votre audience finale avec le chef. Il y a quelques mois, le chef a programmé une visite en bord de ciel qu'il a amené à la dernière minute. Un chef cuisinier de renommée mondiale avait alors été contacté afin de préparer le banquet. Ce chef finit toujours en Bruxelles, il serait vraisemblablement en contact
contacter en cas de visite du chef. Vous devez le rencontrer et le convaincre que ce serait un honneur pour vous de préparer le repas du chef à sa place. Je me rends compte que ces instructions sont quelque peu vagues et je tiens à m'en excuser, mais ce manque de précision est nécessaire pour votre sécurité, pour notre sécurité. Une organisation aussi simée que la vôtre possède certainement les moyens et ressources nécessaires pour obtenir les informations préalables à la tenue de chacune des rencontres, lorsque la dernière étape de notre accord aura été atteinte, c'est-à-dire lorsque vous aurez assuré l'audience avec le chef en personne et ainsi mis un terme à notre accord, je vous contacterai pour le paiement. Salutations distinguées. Ok. En fait, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ramener la lettre à la dame. Alors, moi, ce que je vais faire, il n'y a pas de porte à passer pour... déjà, on va virer révélation. Il n'y a pas de porte à passer pour cela, donc je vais faire le donjon avec vous. Ouh là là, il y a eu un... j'ai lag. Donc, pour commencer, par où on va passer? Puisqu'on a trois endroits possibles. Ouh là là, ça y est, je suis à l'intérieur, ça bug. Ok, là ça m'amènerait vers celui de gauche. Ok, bon, bah, on va s'entraîner à l'arc. Ok, lui il a pas été prévenu. Ok, de deux. On va bien sûr les fouiller pour récupérer des flèches. Non, les flèches m'en fout. Ah, mieux de standard, pareil, 10% de dégâts supplémentaires. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal, pas mal. Pas mal pour quelqu'un qui utiliserait un bouclier, c'est pas mal. Ok. Ok. Et deux, trois. Hein, c'est relativement facile pour l'instant. D'ailleurs, je vais remettre. Hop. Ça. Voilà, ouais, le kill move 100%, fuck quoi, ça marche pas. Elle est pourvu. Donc forcément. Viens des voir, viens, oui, venez. Vous êtes pas loin. Et ici. Bien. Ok. Allez. Ah bon, je gagne pas de points en archerie, c'est dommage. Bah, j'aurais aimé, bon. Tant pis. Ok. Ah! Bon, j'ai rien pris, mais c'est pas grave. Oh non! L'étoile des araignées. Enfin, l'étoile d'araignée déjà, c'est pas mal. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je fais une sauvegarde. Et je vais... Ok, je me suis manqué complètement. Pas plus loin. Ça y est, il commence à se méfier. À se déméfier, oh, je vais y arriver. Drogue délétère, on va prendre. Ah! Enfoiré! Enfoiré! Je l'ai raté! Bon! Je veux augmenter ma chérie! Voilà, au moins un point. Cristagide avec l'épée rossignol. Tiens! Voilà, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je fasse gaffe quand même à l'autre aussi.
Ok, c'est bon. Bon, il a dû aller se rasseoir, l'autre. Bon. Ouf. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre aussi le déferlement. Parce que ça, je l'avais pas remis. Allez, ouf. Oh là, quelle galère. Il faudrait que j'arrive à le tuer de loin avec ça. Enfin, de loin. De près. Non, mais je confonds tous les mots, moi. C'est fou. Je vais faire une sauvegarde. Ouais, avant ça, on va faire ça. Et on va essayer de l'avoir par derrière. N'importe quelle manière, mais on va essayer de l'avoir par derrière.